はい、どうも、モソル TV のアマンディヌとレオくんです。今日はレオくんの最後の日です。本当にでしょ？はい。はい。C'est fini. Aïe, 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 aïe. N'est-ce pas encore fini, reste l'après-midi quand même. Oui, non mais... Tu voulais manger un truc en particulier, tester? Ouais, donc je voulais tester pour pas partir avec des regrets du tonkatsu. Et comme j'ai un petit problème un peu, voilà, je n'aime pas ça. Donc le tonkatsu, je voulais quand même goûter, voir quel goût ça a. Allez, petit macho. Du coup, aujourd'hui, on va juste se balader et puis ce soir, en fait, avant d'aller dormir, eh ben, on verra ce que t'as pensé du voyage. Pas de soucis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Enfin, on est à Sakusa plutôt pour trouver, je crois, un souvenir pour ta maman. Ah ouais, il manque plus qu'elle. C'est très marrant le nombre de Japonais impressionnés par le niveau de japonais d'Amandine. Ils sont tous là, ouais, c'est incroyable et tout. Non, c'est juste le travail. Donc voilà, un jour, j'espère que moi aussi on me dira ça. Ah, t'es né ici, non. Il m'a chaud. Bah ouais, ça, je sais qu'elle aimerait bien, ou alors les petits Shiba. Mais que ma mère, elle aime bien les petits Shiba en fait. Oh, c'est mignon ça. Bah ouais, c'est pour ça. Je sais que ma mère, elle utilise la rêve vu qu'elle aime bien quand la maison est sanglante. Mm. Ouais, on va partir sur ça. Elle aime bien le Shiba. Je lui ai ramené une petite peluche la première fois, enfin. C'est bon. Bah, je suis content, j'ai trouvé les cadeaux pour tout le monde. Mm-hmm. Donc bah, maintenant, je vais profiter. Je suis pas d'accord avec le fait de repartir. Putain, en vrai, c'est... je suis dans la déréalisation. T'as voulu venir dans ton quartier de prédilection? C'est à Barin. Ah bah oui, quand même, avant de partir. T'as des souvenirs par rapport à ce quartier? Ah, beaucoup. Qu'est-ce qu'on en a pu en faire avec les copains? Voilà, on n'a pas fait de bêtises, hein. C'est juste on testait les magasins. C'est avant tout de la rigolade. Et on profite, quoi. J'ai maigri. En venant ici. T'as perdu combien? 1 kilo. Mais oh, ça commence. Il y a toujours la brioche, mais... elle est un peu formée. Wow. Un jour, j'irai juste pour dire au revoir à ma famille et moi, je prendrai la route de la maison, quoi. Pas la route de l'aéroport. Je ne voulais pas rester sans dire au revoir à la famille. C'est des petits primaires qui t'attendent. Ouais, voilà. C'est les petits bonhommes qui m'attendent. Petit bonhomme et petite madame. Il va falloir s'occuper d'eux quand même. Le grand frère Léo. Voilà. Léo Sensei. Donc ça va le faire. Et puis un jour, si ça le veut, je resterai ici. C'est passé hyper vite, j'ai l'impression, et en même temps, c'est passé hyper lentement. T'as l'impression que t'es là depuis un an. Ouais, pareil. Toujours. Tu vois, c'est très bizarre comme sensation. Ça, c'est plus vite ou moins vite que ton premier voyage? Moins vite quand même. J'ai senti que j'ai plus profité, tu vois. Mais comme je dis, tu sais, bah, c'est comme si j'habitais là, tu vois. Alors que le premier voyage, je sentais, tu sais, que c'était pas pareil. C'était un voyage, mais je sais pas, c'est comme si là, j'habitais là, tu vois. C'est très bizarre, très très bizarre. Non mais je vois ce que tu veux dire. Moi, quand je suis repartie au bout d'un mois, après être été en famille d'accueillir tout, en fait, j'avais l'impression de partir à l'étranger. Ouais, voilà, c'est... En fait, la France, c'était mon voyage, tu vois. Je te jure, c'est la sensation que ça me fait. Tu vas apprendre le japonais, ça déjà. Ah ouais, ça c'est sûr. Au début, je vais l'apprendre sur YouTube, hein, comme tout le monde qui commence une langue. Et après, quand j'aurai les moyens, je pense que je me prendrai un prof privé qui vient à la maison, parce que... Moi, je te conseille plutôt de mettre ses argent de côté et de te payer 3 semaines ou un mois dans une école de langue. Ouais, non, mais oui, plus vite, hein. C'est ce que je comptais faire. Tu apprendras plus vite. Oui, puis je connais des personnes qui ont fait ça. Oui, bah oui, toi du coup. Et c'est trop rentable en fait. Parce qu'en plus, t'es encore au Japon. Bah non, mais c'est ça en fait. C'est stonks. Tiens. Bye bye. Salut. Eh, Saki, naki mashita yo, Ryo-kun. Naki chatta? マネージャーも頑張って気をつけてって。ありがとうございます。あ、失礼いたしまして。一緒に服行けてよかったです。Moi aussi j'ai bien apprécié。ありがとうございます。じゃあ私がフランス行きます。はいはい。
Avec grand plaisir. 私たちはメイドカフェで忙しかったから。めっちゃ可愛かったです、あれ。はいはいはい。じゃあ気をつけて帰ってくださいね。あ、toi aussi、fais attention。じゃあ、バイバイ。バイバイ、気をつけて。じゃあね、おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。バイバイ。Voilà、la fin d'une ère。あ、はい。ありがとうございます。そうそう。でもだけど見たかったです。バレイ。一緒にまた今来てって言ってる。楽しかった？あ、います。c'était bien le Japon。はいはいはいはいはいはい。はいはい。おお、すごい。どこにいるんですか今？渋谷で。渋谷。あ、歩いてるんだ。なんか。じゃあプラスワインを一緒に飲みましょう。Bon vin. Bye bye. Bye. Merci encore pour tout. Arigato te. Arigato te. Je sais pas ce que j'allais dire, mais. Enfin, j'ai juste dire. Tu as aimé le pot. C'est ça le titre. Voilà, de la vidéo. C'est pas le dernier jour, c'est Mathieu aimé le pot. En tout cas, ça sent bon. T'as confiance ou t'as pas confiance pour moi? En soi, j'ai confiance. Je sais pas, tout ce que j'ai, c'est que ça sent bon. Ah, attends, mets la soupe dans la sauce. Ah, faisais-le du cuit. C'est trop mignon. Pourquoi je tremble là? Ok, ok. Ça va être bon. Non, nous y est. Ah, ça me donne faim quand même, là, je salive. Putain, la pimasse. Qui va cuisiner? C'est un truc de ouf. Sauf si t'aimes pas, en fait, littéralement, tu n'as rien, par contre. Non, c'est super bon. Oh. Ça, genre, c'est juste en bouche, tu vois. Ça le rajoute un petit côté sucré, on dirait. Et la panure, je pense, c'est super bon. C'est le capo. Okinawa na butan nan dakedo ne. Elle est révélation de l'année. Moi aussi. Umami, c'est bon. Umami, c'est Moi aussi, il est pas mal. C'est un porc qui gambadait. Chio de tonkatsu de tabelle de hajimete nan dakedo. Moi, je. C'est bon? Je regrette pas d'être venu tester. Mais si! Ça, c'est comme. Tu me rends vraiment compte. Oui, mais ça, c'est mon but. Quel intérêt de mourir, bête. Ça va aller? C'est un peu triste, hein. Tu vas partir, mon bon. On reviendra, pas le choix. Pas le choix. J'espère qu'il y a quelqu'un qui travaille dedans, qui verra et qui dira « Oh, ça m'intéresserait, tu vois. » Comme ça, au moins, raison de plus pour revenir au Japon et l'apprendre encore plus, tu vois. Donc, non, non, c'est... J'y crois. Ça, vous voyez, c'est le pouce de l'espoir. C'est-à-dire, tant que vous ferez cette pause, il vous arrivera beaucoup de bien dans la vie parce qu'il faut croire en vous et en vos rêves. Il faut continuer d'avancer comme ça. On ne peut pas se stopper à un rêve. Comme je dis là, j'ai réalisé tous mes rêves. Maintenant, il faut que j'en trouve des nouveaux, mais qui me feront revenir ici. Ça ne s'arrêtera jamais. Toujours, j'aurai un nouveau rêve jusqu'à ce que j'habite ici, en fait. Pousse de l'espoir. Plein de bienveillance. Parce que je suis comme ça. Je vais me faire chialer. Vous m'avez permis quand même de beaucoup voyager. J'ai eu pas mal d'endroits. Sakata, dans la préfecture de Yamagata. Kyoto, que je voulais absolument voir, qui restera à tout jamais ma ville de cœur. J'ai comme l'impression que
c'est pas une fin. Je sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il faut que je revienne accomplir un truc qui me manque. Et ça, je le découvrirai de toute façon avec le temps en revenant. Ça se trouve, c'est le fait de rester là, tu vois, qui me manque. Mais je sens que, voilà, c'est pas fini. Mais ça a été un super voyage, honnêtement. J'ai que des bons souvenirs. Grâce à vous, grâce à Amandine Egen aussi, qu'on a pu prévoir des activités, ma foi, inédites, que je m'y attendais pas. Vous voyez, je suis pas beaucoup dans ma vie, hein, pas beaucoup. Hein. Mais celui-là, il m'a marqué quand même. Et voilà, il y a plein de bons souvenirs qui se remettent dans ma tête. Celui, on va dire que vraiment, tu vois, je voulais de tout mon cœur, c'était le mannequinat. Bien sûr, ça m'a donné d'espoir. Je prie au fond de moi que quelqu'un remarque cette vidéo qui est dans ce travail, tu vois. Parce que forcément, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. C'est bien beau de comprendre, mais parler vraiment, c'est ce qui me manque. J'aime encore plus ça, tu vois. Genre déjà que j'aime beaucoup ça, que ça m'améliore encore plus et que du coup, ça me donne encore plus envie de continuer, tu vois. Je crois toujours en moi, tu vois. Je sais que c'est un truc que j'ai là qui me plaît. Mais comme je regrette pas non plus mais mon expérience avec le maître Sushi, tu vois. Le travail en entreprise qui pareil, ça c'était génial aussi. Puis j'ai pu voir quand même certains trucs, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Mais là c'était comme si j'y travaillais vraiment. Un super bon souvenir, merci encore au patron. Hein. Qui se donnaient à fond dans leur travail, quoi. Qui faisaient pas le travail en mode 5 minutes et après ils traînaient à droite à gauche ou ils s'endormaient au bureau. Je reste convaincu de moi, de ce que j'ai vu. Faites un travail qui vous plaît et pas un travail qui est là pour l'argent. La vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu vis, peut-être demain, t'es mort. Faut pas partir avec les regrets. Voilà, la vie, c'est une sorte d'escalier. Il y a certaines marches qui sont plus grandes que d'autres à escalader, vous voyez. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, on va dire. Voilà. Non, c'est vraiment les messages que je veux vous passer. Parce que vous m'avez donné de l'espoir et vous m'avez permis de réaliser ça. Donc je trouve que c'est aussi à mon tour de faire ça pour vous. Et pour ces deux personnes qui sont derrière la caméra aussi, qui m'ont été d'une grande aide et qui eux aussi, j'espère qu'ils continuent de croire en eux et qu'ils prennent soin d'eux et que ça continuera de marcher pour toujours. Voilà. Ça peut paraître très très froid. Il est très froid en général, ouais. Sauf avec les gens. Putain, ça m'énerve, j'arrive pas à le montrer, c'est une dinguerie. Et j'espère que vous verrez encore plein d'autres gens comme moi, comme Eric. Écoute, prochaine personne, j'espère que tu pourras vivre tes rêves à fond. C'est une expérience qui est assez unique. Vraiment, j'espère pour toi que tu t'amuseras à fond et que tu verras à quel point... les personnes ici sont merveilleuses et aussi les deux personnes de cette chaîne sont merveilleuses. Tout le monde est merveilleux, c'est un peu le pays des bisounours, j'ai envie de vous dire. Tout le monde est gentil, tout le monde est souriant. C'est très impressionnant d'ailleurs. C'est très impressionnant mais c'est très beau. Si ça pouvait être partout comme ça, ça serait bien. Attends, il est en train de pleurer, tu vas voir. Merci à vous de m'avoir permis de réaliser mes rêves. De m'avoir permis de revenir ici, d'avoir voté pour moi. Merci encore, merci infiniment. Ça, c'est la poignée de main de l'amitié entre la France et le Japon. Et... Ça va faire bizarre à ton père de te revoir avec les cheveux comme ça. C'est le monde, hein. Ouais. On va être prêt. Mais moi, ça va me faire bizarre de rentrer surtout. C'est le début. On va bientôt. Ça va? Bientôt. Voilà, bientôt. はい、皆さん最後までりょうくんの動画、りょうくんの夢を応援していただいてありがとうございました。ありがとうございます。ぜひコメントでお願いします。いつも読んでる。では次の冒険にお楽しみください。バイバイ。バイバイ。